Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo qui est ma veille et mon jour de rentrée. Je suis trop pressée d'être à la rentrée, quoique pas trop parce que les vacances, ça va me manquer. Mais c'est pas grave, je vais retrouver tous mes potes. Pour la plupart d'entre eux, ils sont rentrés d'Erasmus, donc je suis trop pressée. Et du coup, je vais vous montrer comment être en bombe pour cette rentrée et surtout pourquoi j'ai ça sur le visage. C'est parti. Tout d'abord, on commence cette routine dans ma salle de bain et vraiment, enfin ma veille de rentrée, c'est grave mon dimanche à moi, je prends soin de ma peau et donc j'utilise tous ces produits. Je vais commencer par le Nuxe, c'est un peu, vous savez, un nettoyant pour le visage avec quelques grains, ça sent super bon, ça sent la rose, enfin j'aime trop. Vraiment Nuxe, c'est une marque que j'adore, c'était ma maman qui m'avait fait connaître quand j'étais petite et je regrette pas. Ensuite, je passe à la douche et je continuerai mes soins après. Je vais me laver les cheveux. Je retourne très bientôt dans le salon Yan & Van en fait pour mes cheveux. Je vais les éclaircir. J'utiliserai plus le Franck Provo Expert. Mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez les cheveux colorés, utilisez-le. Il est génial. Après, je fais n'importe quoi dans ma douche, comme d'hab. Et ensuite, j'utilise le Petit Marseillais Nutri Intense. Il sent extrêmement bon. Il est à base de coco et de beurre de karité. Je fais tout le temps ça dans ma douche. Dites-moi si vous le faites aussi. Je sais pas pourquoi. Je sors de la douche. Je me mets du déodorant. C'est un Rexona. Ensuite, j'applique mon masque de chez Pixi, qui est un masque pour les zones T, vous savez, pour enlever les points noirs et tout. Et j'applique, je sais pas comment on appelle ça déjà. J'applique aussi un gel à base de propolis de Jisoo, j'adore ce gel. Et je vais me poser dans ma chambre en attendant que tout ça pose. Netflix and chill, ça c'est grave ce que j'adore faire. Je regardais la série Alter Carbon, je sais plus si c'est ça le titre exact. Je m'occupais un peu parce que j'avais déjà fini 13 Reasons Why. Ensuite, je vais dans la cuisine, mon endroit préféré, et ce soir-là, j'avais pas trop faim. Du coup, j'ai mangé du saumon bio. J'aime beaucoup manger bio, enfin, pour la plupart des gens, vous savez. Et j'utilise, vous savez, ce truc en silicone pour faire à manger, que vous mettez dans le micro-ondes et tout, ou même vous pouvez le mettre dans le four, je crois. Je mets du thym, je mets de la crème, et ça cuise super bien mon poisson. Et mon poisson, je le fais que là, maintenant. Je le fais même plus, vous savez, à la poêle. C'est trop, trop bon. J'adore le saumon cuit. Au début, j'aimais pas. Et petit à petit, mon père, il m'a fait apprécier ça. Je mange du saumon ce soir, ça fera largement l'affaire. Ensuite, je vais me brosser les dents. Et ça a toujours pas changé, le petit rituel Colgate Max White, parce que c'est le meilleur. Ensuite, je passe dans la chambre et j'adore avoir une tisane avant de m'endormir. J'applique ma crème pour le visage, un sérum pour l'élasticité de ma peau de chez La Roche-Posay. Ma crème aussi de chez Le Petit Marseillais, j'adore l'utiliser. Et je parle avec mes potes pour savoir à quelle heure on se rejoint demain. En même temps, je regarde une série, puis je vais me coucher. Du coup, mon jour de rentrée, comment ça se passe? On change pas le petit rituel du matin. Prendre le téléphone pour checker tous les réseaux sociaux, c'est ma base. Enfin, vous devez le savoir maintenant, depuis le temps que vous me connaissez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Je suis vachement, vachement active, donc n'hésitez pas. Je passe dans la partie vêtements. Et là, c'est le moment où je vais passer le plus de temps parce que je sais jamais ce que je veux porter, etc. Surtout pour une rentrée. Donc n'hésitez pas à vous lever un peu plus tôt pour faire votre choix. Donc je prends un jean, un t-shirt. Et puis, je vais dans mon endroit favori, comme maintenant vous le savez, c'est la cuisine. Et je vais déjeuner. Je sais pas si vous avez pu voir, mais en ce moment, j'utilise plus du tout mon téléphone pour manger. J'évite vraiment parce que j'ai envie que mon cerveau sache ce qu'il mange et pas qu'il regarde un écran. C'est baguette de pain avec beurre et confiture, comme une bonne française, avec un thé russe, c'est le Twinings, je crois que ça se dit comme ça, je sais plus. Il est trop bon parce qu'il a un goût fruité, même si c'est un thé noir. Je fais griller du pain avec du beurre et de la confiture, la base, et je mange, voilà. Ensuite, je vais tout simplement me rebrosser les dents et me doucher. Je me lave pas les cheveux, je vous remonte la même chose parce que c'était le même rituel. Petit déo. On arrive dans la chambre, je me maquille. Et là, n'hésitez pas à regarder le petit i parce que je vous ai fait un make-up exprès pour la rentrée. C'est exactement le même. Je m'habille et j'adore en ce moment mettre le bandeau que Yoyo m'a offert sur la tête. Je trouve ça trop mignon, surtout pour les cheveux fins et tout. Enfin, c'est super mignon.
et je mets mes petites chaussures mage et c'est parti. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne qui est Cassidy B. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.